Toute la gloire au Seigneur, c'est lui par qui nous sommes et c'est lui pour qui nous sommes. Et ces cantiques, parmi les cantiques que nous avons chantés tout à l'heure, il y a celui-là que j'aime beaucoup. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Donc nous n'avons pas aujourd'hui la photocopie de Dieu. Nous n'avons pas aujourd'hui les jumeaux de Dieu. Nous n'avons pas son petit frère, ni son arrière-petit-fils. Nous avons celui qui est, celui-là, c'est celui-même qui était, et c'est celui qui vient. Il a traversé les âges et les générations, les époques et les saisons. Il a vu l'homme naître sur la terre et l'homme passer, et des générations se succédaient. Lui, l'ancien des jours, est resté le même. Il n'a pas vieilli. Nous ne célébrons pas, nous n'adorons pas un vieillard assis sur le trône. Il n'est pas fatigué. Il ne va jamais en retraite. Il est toujours le même. À lui la gloire et l'honneur. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer une fois? Seigneur, daigne bénir ta parole pour la vie de chacun de nous tous, de sorte que Seigneur, en ces cultes, pour tous ceux qui sont en ces lieux et tous ceux qui suivent à travers le média, que chacun entende les paroles de l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Amen. Merci. Je voudrais, avant de nous donner le thème de notre prédication ainsi que le texte biblique que nous lirons, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de commencer par remercier le pasteur Douglas, l'apôtre qui conduit l'Église et qui a pensé nous associer à vous en ces cultes de ces 4 août 2019. Nous ne méritons rien, c'est par la grâce de Dieu. Et que Dieu le bénisse de nous avoir mis dans son cœur et nous avoir invités jusqu'en ces lieux. Et je voudrais, à l'occasion aussi, vous transmettre les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs de l'église La Borne-Bandundouville, et aussi les salutations particulières de Madame, mon épouse, envers vous. Merci Seigneur. Le thème de notre prédication, le lieu d'enfantement. Le lieu d'enfantement. Quand on parle de lieu, il saute vite à l'esprit qu'on est en train de faire allusion à un espace. À un espace géographique. À une portion de terre. À un territoire. À une contrée. Ça vient rapidement à l'esprit. Eh bien, le lieu, c'est un espace, un endroit géographique. Seulement, le lieu n'est pas seulement espace. Le lieu peut être aussi le temps. Le temps. Quand dans un discours, par exemple, l'orateur dit « C'est ici le lieu de remercier tous ceux qui ont contribué, par exemple, à l'organisation de ce programme ou de cette réunion », l'orateur veut tout simplement dire que c'est maintenant l'occasion pour moi d'être reconnaissant, de manifester ma reconnaissance envers tous ceux-là qui ont contribué. Donc là, le lieu ne veut pas dire espace, mais le lieu veut dire plutôt temps, l'occasion, le moment. Quand on dit « je vais dire en premier lieu », c'est pour dire « je vais dire en première occasion ». Et là, lieu veut dire non pas l'espace,
mais plutôt temps. Quand on dit en français que ce n'est pas ici le lieu de parler de cela, le lieu de disputer, on ne veut pas dire forcément l'espace géographique, mais on veut dire plutôt que ce n'est pas le moment. Le moment de parler de la chose ou de discuter autour du sujet, de la question. Quand on dit « nous en parlerons en temps et lieu », c'est pour dire « à un autre moment ». Donc ça, ce sont les différents exemples pour nous faire voir la nuance des temps dans le mot « lieu ». Parce que facilement, nous voyons « lieu » comme « espace », mais « lieu » peut dire aussi ou signifier le temps, le moment, l'occasion. Alors, dans notre prédication qui a pour thème le lieu d'enfantement, je voudrais que nous comprenions pour nous le lieu dans sa deuxième nuance, c'est-à-dire le temps, le moment. Quand nous serons en train de parler du lieu d'enfantement, que vous compreniez que nous sommes en train de parler du moment d'enfantement, des temps d'enfantement, de l'occasion d'enfantement. Nous serons en train de voir des lieux, espaces dans la Bible où un enfantement a eu lieu. Mais comme nous ne sommes pas chargés de faire l'histoire, notre prédication ne sera pas donc historique, mais nous sommes chargés de dire un message de Dieu et notre prédication sera prophétique. Le lieu d'enfantement, pour dire le moment où l'on produit, le moment de produire, le moment de donner naissance, le temps de faire exister, l'occasion d'entrer dans une expérience. Et parce que c'est pour enfanter ce qui est grand, ce qui est magnifique, ça sera donc des lieux élevés. Des lieux élevés. Merci Seigneur. Alors, nous allons voir un certain nombre de lieux élevés ou des lieux d'enfantement. Un certain nombre, et chacun de ces lieux a quelque chose de prophétique à nous dire. Mais géographiquement parlant, nous allons nous situer à un seul lieu. Bon, je suis en train de poser des bases, je sais que Dieu nous fera grâce de comprendre dans la suite. Géographiquement parlant, nous citerons un seul lieu, un espace précis, mais de cet espace-là précis, de ces lieux géographiques, nous verrons des lieux temps. Des lieux temps. Et que dans ce même lieu géographique, des lieux temps différents. Et pour chacun de ces lieux temps, ça sera pour nous un exemple et un message d'enfantement. Allons-y. Le premier lieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 2. Et notre lecture partira du 1er au 7e verset. Luc 2, 1 à 7. Je nous lis la parole de Dieu. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accouché arriva.
et elle enfanta son fils premier-né. Elle les émaillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ce lieu géographique, c'est Bethléem. Et ce lieu géographique a servi à Marie comme lieu d'accouchement, lieu d'enfanté, mais non seulement lieu espace géographique, mais étant là, c'était le temps pour elle d'accoucher. La Bible nous a dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva pendant qu'ils étaient là, ou à Bethléem. Et pourquoi ils y sont partis? Nous l'avons lu, c'était pour se faire inscrire, le recensement. Et le recensement devait se faire dans son lieu d'origine. Et comme Joseph, tout comme Marie, on peut les trouver ailleurs, ils étaient tous originaires de Bethléem. De Bethléem. Alors, pour Joseph et Marie, aller à Bethléem, c'était aller plutôt marquer leur appartenance, leur identité. Ça, c'est l'histoire et le message que l'Esprit de Dieu donne à quelqu'un les oreilles pour entendre. C'est que dans le lieu d'enfantement, et le lieu, je nous ai dit, comprenez le temps d'enfantement, il est important, très important pour l'homme sur la terre, qu'à un moment donné, qu'il puisse avoir une identité spirituelle. Une identité spirituelle. Un jour, les enfants d'Israël ont entendu cette parole de la part d'un homme de Dieu, Josué, qui leur disait, choisissez qui vous voulez servir. Un jour, les mêmes enfants d'Israël ont entendu de la part d'un autre homme de Dieu, Élie, pour leur dire, si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Et si Baal est Dieu, allez après Baal. Donc, il est important pour l'homme sur la terre de manifester son identité spirituelle. On appartient à qui? On est d'où? Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Seulement, ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres, dans notre génération, ont la liberté de manifester ouvertement qu'ils sont du royaume des ténèbres. Et ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, de plus en plus se couvrent la face. Ils ont honte de faire connaître leur identité spirituelle. Honte de dire que je suis chrétien. Honte de dire que je suis enfant de Dieu. Honte de prier, même dans un lieu public. Et surtout dans un lieu public. Qui des enfants de Dieu peut, dans un restaurant, lorsque le repas lui est servi, baisser la tête et rendre grâce à Dieu pour le repas, dans le contexte qui est le vôtre? Oh non, il ne faut pas faire ça. Tout le monde va savoir que je suis soit chrétien ou j'appartiens à une foi et puis c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas se faire identifier. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Il est important de manifester son identité. À quel royaume on appartient?
ceux qui sont dans des loges mystiques et sataniques arrivent à les dire ouvertement, à les inscrire publiquement, à les manifester. À les manifester. Et souvent, les restrictions contre il ne faut pas manifester sa foi, ces restrictions-là, ça m'engage que moi-même. Ces restrictions-là, pour la plupart des cas, servent plutôt à vouloir réduire ou à étouffer le christianisme. Pendant ce temps, les autres croyances se manifestent ouvertement et elles ne sont pas sanctionnées. Il est important de savoir j'appartiens à qui. Quelle est mon origine spirituelle? Quelle est mon appartenance spirituelle? Et ne pas avoir honte de cela. C'est un sujet de joie que d'être enfant de Dieu. C'est une fierté. Parce que ce n'est pas par le moins d'argent, de l'or, de la sueur de son front. C'est un don de grâce. Amen. Vous imaginez, le Dieu très haut fait grâce à quelqu'un sur la terre de devenir fils de Dieu. Fils de Dieu. Fille de Dieu. C'est un rang qu'on n'accède pas par élection. On peut devenir président de la République par la campagne qu'on a battue avec son parti politique, par exemple. Et puis on devient président de la République. On a dépensé de l'argent, on a bâti campagne dans tous les sens. On a essayé de convaincre les électeurs. On a fourni autant d'efforts. Mais fils de Dieu, c'est une information que j'ai reçue. De la part de Dieu qui me désigne son fils, qui me désigne sa fille. J'ai appris et Dieu m'a adressé sa parole. Quand je ne le connaissais pas, il m'a connu. Je ne connaissais pas son nom, il m'a appelé par mon nom. C'est un privilège que d'être fils de Dieu. Un privilège. Dans les rangs humains, dans la vie sociale, on considère quelqu'un qui est ministre, qui est chef de l'État, qui est chef du gouvernement, qui est ceci, cela, un grand entrepreneur, un PDG d'entreprise et tout cela, un grand monsieur, une grande dame. OK. Mais vous savez que toutes ces richesses-là ne donnent pas l'accès au ciel, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on roulait carrosse qu'on aura d'office la carte du ciel. La seule voie, c'est de naître de nouveau. Et Dieu m'accorde le privilège de devenir prince dans son royaume. Prince de Dieu. Princesse de Dieu. Qui aura honte? Quel est ce prince d'un royaume ne fût-ce que sur la terre? Qui peut avoir honte de se faire identifier comme étant prince de la famille royale. Joseph et Marie se rendirent à Bethléem parce qu'ils y étaient. Ils sont allés se faire identifier comme tels. Nous sommes de Bethléem. S'identifier, je suis enfant de Dieu. Je suis du royaume des cieux. Momentanément sur la terre, mais j'appartiens au royaume le plus élevé de tous les cieux, de toutes les dimensions, de tous les niveaux, de tous les degrés. J'appartiens au lieu le plus élevé. Un temps vous me voyez sur la terre, mais un jour la trompette sonnera. Un jour le signal sera donné. Un jour l'ange fera signe. Un jour viendra où, en un clin d'œil, je serai enlevé. Ceux qui m'avaient vu ne me verront plus. Ceux qui me connaissaient ne me connaîtront plus. Et si ce jour n'arrive pas encore, alors que je meurs, mon corps retourne à la poussière, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Parce qu'à ce signal donné, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Et tous ceux qui seront restés vivants en ce jour-là seront tous transformés et nous irons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous avons une espérance bénie. Amen. Un avenir radieux. Nous savons où nous allons et ce que nous serons. Des fils de Dieu. Et pour l'instant, le Père nous laisse sur la terre, alors ne cachons pas notre identité.
Les hommes ont le courage de mettre les tatouages sur leur peau. Ils n'en ont pas honte, n'est-ce pas? Alors, je ne dois pas cacher mon identité. Si je suis noir, je n'en ai pas honte. Je ne vais pas changer la teinture de ma peau. Je suis fier de l'être. Et celui à qui Dieu a donné d'être de race blanche, il est aussi. Et il ne cache pas sa peau. Donc nous manifestons notre peau, nos couleurs, ce que nous sommes. Et spirituellement, ça doit être la même chose. Alléluia. Spirituellement, ça doit être la même chose. L'identité spirituelle. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils du royaume élevé. Et je ne suis que momentanément sur la terre. C'est pourquoi sur la terre, je vis en tant que fils de Dieu. Prince du royaume élevé. Où que je sois, quel que soit le contexte, je suis fils de Dieu. Je dors avec ça, je me lève avec ça. Je marche avec ça et c'est ce que je suis en tout temps et en tout lieu. Fils de Dieu. Vers 3 heures du matin, vous venez toucher, mais c'est quoi? Je me lève. C'est qui se lève? C'est un fils de Dieu. À midi, fils de Dieu. 6 heures du matin, fils de Dieu. 20 heures, fils de Dieu. 24 heures sur 24, fils de Dieu. Et ce n'est pas pour le temps, c'est pour l'éternité. Car quand le temps prendra fin, nous continuerons éternellement à demeurer fils de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, à travers de ce message, écoute la voix de l'Éternel. C'est pour toi le lieu de l'enfantement spirituel. C'est pour toi le temps, le moment de naître de nouveau. C'est pour toi le moment d'appartenir à ce royaume glorieux, magnifique et éternel. C'est pour toi le moment. Ne diffère pas la chose. Elle est tellement importante et c'est urgent. Ne remets pas au lendemain. Aujourd'hui, prends la décision. Que tu sois dans la salle ou que tu suives à travers le média, prends, c'est la bonne et la meilleure des décisions. Amen. De donner ta vie à Christ pour devenir enfant de Dieu, fils du royaume. Il y a un autre enfantement. Et c'est toujours à Bethléem. Nous allons au chapitre 2, toujours, là où nous étions. Mais nous, plutôt du verset 8. Ce texte peut être lu jusqu'au verset 20. Luc 2, 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a gréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour les retourner au ciel, le berger se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tous ceux qui les entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Allons jusqu'à Bethléem, parce que Bethléem, c'est le lieu d'enfantement. C'est le lieu d'enfantement. Si pour Marie et Joseph, c'était pour marquer leur identité, mais pour ce berger, aller à Bethléem, en ce lieu géographique, et en ce temps-là, c'était pour une expérience d'admirer, de contempler le Seigneur, et ils y sont
et comme la Bible nous dit, louant et glorifiant le Seigneur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, engendrer l'adoration à Dieu. Engendrer la louange au Seigneur. Quelqu'un que nous sommes dans le temps agréable. Et ils ont loué Dieu parce que ce qui leur a été dit, c'était accompli conformément. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu a fait des promesses. Dieu a dit des choses dans sa parole. Et ces choses qui s'accomplissent dans nos vies, de façon individuelle, tout comme de façon si collective. De merveilles du Seigneur, une guérison miracle, une bénédiction sociale, une bénédiction financière, une bénédiction spirituelle, une grâce particulière dans un domaine ou un autre. Et les choses de Dieu, les paroles de Dieu, les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans notre époque sous nos yeux. N'est-ce pas l'occasion de louer Dieu? N'est-ce pas l'occasion de glorifier Dieu? À notre vie, je vais dire à quelqu'un que ta vie ne doit pas être tournée toujours vers les demandes. Ta vie ne doit pas rester ou se résumer à une vie de personne qui a toujours des requêtes, qui a toujours des choses à demander à Dieu. Mais je vais et je déclare et je prie pour toi. Je dis devant Dieu qu'il s'établisse pour toi le temps d'enfanter la louange à Dieu. Le temps d'engendrer l'adoration à Dieu. De voir que les choses que Dieu avait dites, ces choses accomplissent conformément, exactement. Et alors, il n'y aura même pas besoin d'un modérateur, comme nous avons eu un modérateur, un conducteur de louange ce matin, un merveilleux conducteur. Et ça m'a fait du bien. Je ne me suis pas senti étranger, je vous assure. C'est comme si j'étais dans le lieu où j'y suis déjà. Bien sûr, le cadre n'est pas le même, mais le lieu là, c'est le lieu spirituel. Je me suis retrouvé chez moi, dans le lieu où j'ai l'habitude d'être. Là où on adore Dieu, où on contemple Dieu, où on rencontre Dieu sans difficulté, facilement, on y accède juste à son trône. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas toujours besoin d'un conducteur de louange et d'adoration. Il n'y aura pas besoin toujours de chantre pour faire le vocal. On n'aura pas toujours besoin de quelqu'un pour faire le lead. On n'aura pas toujours besoin des accompagnateurs, clavéristes ou drummers. Quand Dieu nous visite, quand Dieu te fait du bien, quand Dieu te fait manifester sa grâce, je vous assure, chacun de nous devient chantre. Chacun de nous devient instrumentiste. Sans avoir fait l'école de musique, c'est là qu'on peut commencer à faire de la guitare, à chanter, à danser. Ah, je vous assure, il m'est déjà arrivé comme ça. Le Seigneur m'a tellement visité, il m'a tellement fait du bien que je commence à gratter, mais je ne sais pas jouer la guitare. Je sens seulement qu'il faut faire comme ça, un peu de la guitare là. Hein? Alléluia. Alléluia. Comment appeler ça? Une guitare sèche? Non, ça c'est pas sèche. Mais bon, une guitare gestuelle. Alléluia. Oui, la joie du Seigneur, le bienfait de Dieu. Louer Dieu, glorifier Dieu, exalter Dieu pour ses bienfaits. Si dans ta vie, tu peux faire le bilan et tu réalises que ça fait longtemps que tu as rendu grâce à Dieu, tu as béni Dieu pour une visitation particulière que Dieu t'a accordée, je prie que ce matin, que l'Éternel te visite particulièrement. Je prie que les temps de louange naissent dans ta vie. Je prie que les temps d'adoration naissent dans ta vie. Que ce soit pour toi le moment qui arrive où tu pourras dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai reçu, j'ai saisi, j'ai obtenu, je suis parvenu, j'ai réalisé, je suis béni, je suis comblé, je suis satisfait, oh, je suis guéri, je suis libre. Que ce temps-là naisse, que ce temps-là arrive, que cette saison-là s'établisse, au nom de Jésus-Christ. Le lieu d'enfantement, il eut une autre naissance, toujours à Bethléem. Matthieu chapitre 2. Le texte va du 1er au 11e verset. Matthieu 2, 1 à 11, je nous lis la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela,
fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa après, auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et qui, soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Un autre enfantement. Les bergers sont venus voir, admirer, contempler, et ils étaient remplis de louanges et d'adoration parce qu'ils étaient, ils venaient de voir l'accomplissement de la parole qui leur était dite. Et quand la parole de Dieu s'accomplit dans nos vies, je disais tout à l'heure, ça fait susciter la louange, l'adoration, les actions de grâce. Et voici un autre cortège. Cette fois-ci, ce sont les mages. Ils sont arrivés. Et le dernier verset que nous avons lu, le verset 11, je peux le relire, il est dit, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. » Ça, c'est presque ce que nous venons de dire déjà à propos des bergers. Mais restez sur le texte, il est dit, « Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Alors, je vais dire à quelqu'un, il est temps d'enfanter des dons à la gloire de Dieu. Il faut louer Dieu. Il faut adorer Dieu. Il faut glorifier Dieu. Il faut le faire. C'est spirituel, c'est biblique et ça fait du bien même à l'adorateur lui-même. Il y a une suite. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Allons jusqu'au bout. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a bénis. Nous lui sommes reconnaissants. Nous louons Dieu, nous chantons ses cantiques. Très bien. Et faisons aussi la suite. Ouvrons nos trésors. Et prenons ce qui est précieux pour l'œuvre de Dieu. Pour la cause de Dieu. Ce qui est précieux, l'or là, l'encens, prenons sans hésiter. Et c'est là, ça pince dans le cœur. Ouvrons notre trésor. Ne chantons pas seulement, oh c'était bien une belle atmosphère. Oh ça nous a fait du bien ce culte de ce matin. Faisons, allons jusqu'à la suite. Ouvrons nos trésors. Ouvrons nos trésors. Ne gardons pas nos trésors fermés. Votre trésor est où? Dans la poche? Dans une banque? Dans un sac? À la maison? Je ne sais. Dans une entreprise? Ouvrez votre trésor. Prenez de l'or pour le Seigneur. Offrez de l'or pour le Seigneur. Imaginez un peu. C'est un petit bébé qu'ils ont trouvé là. Qu'a-t-il à faire avec de l'or? Ils n'ont pas regardé à la taille, ni à l'âge, mais ils ont regardé à la personnalité de la personne. Il s'agit du Seigneur. Même quand il est dans une crèche, c'est le Seigneur. Même quand il est petit, c'est le Seigneur. Et pour le Seigneur, j'ouvre mon trésor. Pour mon Seigneur, je ne vais pas hésiter. Pour mon Seigneur, je vais prendre mon or à moi que j'ai accumulé avec mes efforts, oui. Avec la sueur de mon front, oui. Mais pour le Seigneur, j'ouvre mon trésor.
et je veux offrir mon or. Je veux offrir l'encens. Je veux offrir le myrrhe. Le Seigneur a besoin de cela. Dans l'époque où le matérialisme prend le devant, où chacun tournait pas vers ses propres besoins. Oui, c'est vrai, il y a des factures à honorer. C'est vrai, il y a des contraintes sociales et mensuelles. C'est vrai. Nous sommes comme à l'époque où les enfants d'Israël sont revenus de la captivité. Et chacun était occupé à rebâtir sa propre maison. Jusqu'à ce que Dieu dépêche Agé le prophète pour leur dire, jusqu'à quand, habiterez-vous des demeures lambrissées quand ma maison est en ruine? Et je dis que notre temps est encore est meilleur parce qu'ils revenaient de la captivité. Ils étaient en train de se réinstaller. Nous sommes déjà établis depuis longtemps. À ceux-là qui revenaient à peine de la captivité et de se réinstaller, Dieu leur adresse ses reproches, Dieu les interpelle. Parce que Dieu veut qu'on puisse bâtir sa maison. Nous savons tous que c'est dans le désert que Dieu a demandé qu'on construise le tabernacle. Dieu n'a pas attendu que le peuple arrive à Cana, terre où coule le lait et le miel. En plein désert, là où il n'y avait pas de job. C'est là que Dieu leur a demandé de le construire le tabernacle. Et puis, quelle exigence! Quel genre de tabernacle! Luxueux! Luxueux parce que tout brillait, de l'or! Pas du n'importe quoi! Je vois, c'est par curiosité, pendant que je suis là, je vois cette belle salle. Et c'est mentionné salle de culte. Ce n'est pas là où nous sommes, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas besoin d'efforts à faire pour constater que ce n'est pas ici. C'est possible que vous y soyez. Si seulement que chacun ouvre son trésor. Si seulement chacun prend de l'or, de l'encens et de myrrhe, vous y arriverez. Engendrer les dons pour la maison de Dieu. Le temps d'engendrer les dons. Le temps d'engendrer la bénédiction. Le temps de soutenir, d'offrir à Dieu ce qui est de précieux. Que ce temps-là soit aussi pour toi. Que tu saisisses cette occasion comme le moment où Dieu t'appelle à engendrer, à donner, à faire naître de l'or, de l'encens ou de myrrhe pour sa cause et pour sa gloire. Alléluia. Toujours à Bethléem, le même lieu, mais un autre enfantement. Ruth, chapitre 1er. Ruth, nous lisons au chapitre 1er, du verset 1 au verset 7. Et nous irons lire du verset 15 au verset 19. La Bible dit, du temps de juge, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi, et ses deux fils s'appelaient Macon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi restait privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles,
Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Je saute vers le verset 15. Dans l'entretemps, il y a Orpa qui a pris la décision de rester. Et Ruth était téméraire. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. » Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et le verset, chapitre 3, le verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureux. » Chapitre 4, versets 11 à 13. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel, à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérette, qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Bethléem, lieu d'enfantement. Ici, nous sommes en train de voir un autre enfantement. De cet enfantement qui a eu lieu sur le plan historique, mais voici le message prophétique. C'est que le Seigneur veut donner à quelqu'un un lieu de libération. Où la libération spirituelle va s'enfanter. Ruth était moabite, comme nous le savons, et donc polythéiste, et croyant aux idoles. Mais Ruth a choisi d'aller à Bethléem avec Naomi, sa belle-mère. Quand sa belle-sœur, Orpa, a trouvé bon de rester, mais Ruth aller à Bethléem, pour elle, c'était une grande libération. Une grande libération. Et voici comment elle prend la décision. Et c'est ce qui active sa libération. Quand elle dit, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Donc, Ruth prend la décision de se détacher spirituellement de son peuple idolâtre et des dieux de sa contrée. Et Ruth choisit le peuple de Dieu, le camp de Dieu, et elle choisit l'Éternel Dieu. Alléluia. C'est une libération spirituelle qui se produit dans sa vie. Une libération. Oh, je prie et je déclare que ce soit le moment, que ce soit le temps, que ce soit l'occasion qui te donne d'accéder à une libération spirituelle. Te détacher d'un peuple négatif. Te détacher d'un peuple en ténébreux pour appartenir à ce peuple éclairé, éclairé de Dieu. Le temps de changer de camp spirituellement, de ne plus être du camp du diable, du monde, du paganisme, mais de devenir, d'entrer dans le camp de Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu du rite. Elle a changé de Dieu. Elle a changé de camp. Elle a changé de position. On peut avoir été dans l'occultisme. C'est possible de changer de camp. C'est possible d'abandonner les loges sataniques. C'est possible d'abandonner la magie. C'est possible d'abandonner le fétiche. C'est possible d'abandonner la sorcellerie. C'est possible de changer de camp et de porter une autre identité, une libération spirituelle. Je crois à la puissance du Saint-Esprit et à l'œuvre de délivrance et de libération spirituelle. Oh, tu as été étouffé, tu as été enfermé, tu as été bloqué, tu te trouves
quelque part dans une position spirituelle de ténèbres, sous les jougs de Satan, je te dis, par la puissance du Saint-Esprit, tu peux être délivré. Tu peux être délivré. Tu peux être délivré. Tu peux être complètement libéré. Oui, c'est vrai. Peut-être on t'a dit que si tu renonces à ces choses, tu mourras. Mais je te dis, tu ne mourras point. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Ça, c'est le mensonge du diable qui veut t'empêcher de changer de camp. C'est le mensonge du diable qui veut t'empêcher de te libérer, de te débarrasser de lui, de tout ce joug. Tu ne dois plus continuer à être esclave du diable. Christ nous a franchis pour la liberté. Tu ne dois plus être esclave. Maintenant doit naître ta libération spirituelle. Maintenant doit naître ta délivrance. Tu dois te séparer et tu peux te séparer. Et Dieu est là pour disposer de sa puissance. Si seulement tu prends la décision, comme Rite l'a prise, il dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Si tu laisses la porte à Dieu, si tu lui donnes une bonne passe, Dieu sait dribbler, Dieu sait récupérer la balle, Dieu sait marquer le but. Alléluia! Il s'est marqué les buts. Donne seulement la passe à Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. À ce moment-là, tu donnes un droit légal à Dieu d'opérer dans ta vie. Tu donnes un droit légal à Dieu d'intervenir dans ta vie. Et quand Dieu sera en train d'agir, si un démon qui te possédait ou qui te tourmentait veut lever sa voix pour dire pourquoi tu le prends, Dieu dit, il a déjà pris la décision. Il a choisi pour moi. Oh non, mais moi, je suis dans sa vie depuis longtemps. C'est lui-même par ce pacte qu'il avait signé, par les engagements spirituels qu'il avait pris, peut-être sans le savoir, c'est ce qui m'a donné le droit de rester en lui. Et le Saint-Esprit est au-dessus de tout démon, de tout esprit méchant et de tout esprit impur. Le Saint-Esprit a l'autorité de dire, tu n'as plus le droit légal d'y rester parce qu'il a pris la décision pour le royaume de Dieu. Et il n'y a pas partagé entre Dieu et le diable. Entre le Saint-Esprit et les démons. C'est soit, soit. Alors vous avez assez régné, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est le moment de partir. C'est le moment de quitter. C'est le moment de libérer la personne. Alléluia. Tu peux faire naître ta délivrance. Tu peux faire naître ta libération spirituelle. Tu peux faire naître ce changement. Et voici ce changement combien était bénéfique pour Ruth sur le plan spirituel, mais aussi avec des conséquences sociales. Car Ruth a retrouvé le chemin du mariage. Bien aimé dans le Seigneur, quand le diable a l'emprise sur quelqu'un, de fois, la personne peut être bloquée, même dans les aspects sociaux de la vie. Il y a des activités qui peuvent ne pas marcher. On n'accède pas à certaines grâces, à certains niveaux, dans certains cas. Et Ruth, sa décision, c'était une libération spirituelle. Et cette libération-là l'a restaurée dans la vie du foyer. Et elle a retrouvé la chambre des noces. Et elle pouvait enfanter. Faisons marche arrière. La Bible nous dit qu'elle était mariée, n'est-ce pas, à l'un des fils de Naomi. Et ils ont vécu 10 ans. Pas d'enfant. 10 ans sans enfant. Mais quand elle a changé de peuple, quand elle a changé de Dieu, elle a été amenée dans la restauration du mariage. Et plus que dans la restauration du mariage, elle a conçu, elle a enfanté. Alléluia. Et quel enfant? C'est l'arrière-grand-père de David. Car elle engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Quelle libération! Quelle grâce! Bien-aimé, tu peux te connecter à la bonne source de grâce par la décision que tu prends de choisir pour Jésus, de choisir pour le camp de Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est toujours le même. Dieu a commencé d'agir, Dieu n'est pas d'aujourd'hui. Il est habitué d'agir. Il est habitué de faire le miracle. Du reste, ce que nous appelons miracle, extraordinaire, c'est l'ordinaire de Dieu. Ce que nous disons surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Donc
Dieu est habitué. Dieu est habitué. Alors, tu peux opter pour ta libération spirituelle, pour une transformation sociale, et ça va impacter ta vie. Et ça va jouer, impacter tous les secteurs, tous les domaines de ta vie, influencé par la puissance et la richesse de la grâce de Dieu. Affecté dans tous les domaines, tous les secteurs. Là où il y avait encore des blocages, là où ça, j'ai dit que ça va sauter. J'ai dit que le verrou va sauter. J'ai déclaré que le verrou commence même à sauter. Les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Comme dans une prison fermée où se trouvaient Paul et Silas. Mais pendant qu'il louait Dieu, il adorait le Seigneur. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement. Et même les fondations, le fondement de la prison tremblèrent. Les portes s'ouvrirent. Est-ce que vous avez entendu ça? Les portes s'ouvrirent. S'ouvrir sans qu'il soit posé à ces portes-là la motorisation automatique. Ça, la motorisation automatique de portail. Aucun ingénieur n'avait pensé à ça. Et personne n'avait inventé. Mais déjà, les serviteurs de Dieu ont vécu l'ouverture automatique des portes. Alléluia. L'ouverture automatique des portes. Alors qu'ils s'avançaient, les portes s'ouvraient. Pierre a vécu ça, la même chose aussi. Pierre a vécu. Et quand l'ange est venu le prendre à la prison pour dire avance, porte ta ceinture, porte a mis sa ceinture, Pierre a mis sa ceinture. Et il dit, pendant que nous avançons, le porte. Il n'y avait pas l'électronique, il n'y avait pas l'électricité, mais les portes s'ouvrirent. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu est au-dessus des lois de la nature. Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre. Au-dessus de tout ce qu'on peut expliquer. Tu peux opter pour une libération spirituelle. Et pour une transformation profonde de ta vie. Et les grâces nouvelles viendront. Les bonnes nouvelles s'installeront. Les bonheurs et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Oh, que ce temps arrive. Que ce temps sonne, que ce moment s'installe dans ta vie. Les négatifs cèdent la place au positif. Les ténèbres cèdent la place à la lumière. La mort cède la place à la vie. La malédiction cède la place à la bénédiction. Oh, la tristesse cède la place à la joie. Que ta vie soit profondément affectée. Profondément affectée. Profondément affectée.
C'est le temps d'enfantement. Laissez les choses naître. Laissez les choses naître. C'est le temps. C'est le temps. Marie et Joseph sont allés à Bethléem. C'était pour une chose. Mais en même temps, c'était le temps où Marie devait accoucher. C'était le temps d'enfantement. C'était le temps d'accouchement. C'était le moment indiqué, le moment qu'il fallait. Et c'est ce matin, tu es venu dans un culte pour une raison. Mais tu rencontres le temps d'enfantement. Tu rencontres le moment d'accouchement. Tu rencontres le temps d'enfantement. Tu étais venu pour autre raison. Tu étais venu pour autre chose. Mais le temps d'enfantement est là. Hey, yandara mama, shekebekere mama. Alléluia. Oh, laisse les choses naître. Laisse les choses naître. Laisse les choses naître. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit te saisisse pour faire accoucher, pour faire naître, pour faire naître le Saint-Esprit de Dieu qui avait visité Marie, qui avait couvert Marie. Le Saint-Esprit de Dieu qui avait couvert Marie et qui lui a donné de concevoir et puis d'enfanter. Que l'Esprit de Dieu te couvre.